conseil de Food for the Poor. Et avec Food for the Poor, nous collaborons avec toutes les églises chrétiennes d'Haïti pour essayer de tangibiliser la parole de Dieu. Et nous sommes ici, comme disait Johnny, pour répondre à une invitation de Columbia University pour leur présenter un travail qui vise à réduire la pauvreté du département le plus jeune, le plus pauvre, le plus démuni du pays, qui est le département des NIP. Je suis aussi un membre du conseil d'administration de Food for the Poor. Et depuis quelques années, avec Daniel, on travaille sur des projets d'infrastructure, énergie électrique, etc. Et ce projet de NIP, qui nous tient énormément à cœur, que nous allons présenter, est une opportunité de travailler de manière plus générale dans le domaine du développement et du développement de toute une région en utilisant une combinaison de ressources, je dirais, privées, même de publiques et internationales. Je suis aujourd'hui à New York avec ces amis-là pour répondre à une invitation de Columbia University sur un projet qui nous tient très à cœur. Bon, c'est un projet qui est issu d'une conversation que nous avons eue avec le temps, avec le président de la République, où nous essayons de débattre ensemble de manière de combattre et d'éradiquer la pauvreté extrême. Et pour faire d'une longue histoire un tout petit résumé, nous avons convenu de nous adresser au département le plus pauvre, qui était le département des NIP. Et ceci à l'aune, je dirais, de notre foi. C'est-à-dire que nous avons un département plus pauvre là, pour nous avoir un Christ là. Nous avons un Christ là, dans le monde qui n'a pas de rade, dans le monde qui n'a pas de caille, dans le monde qui n'a pas de job, dans le monde qui est en prison. Donc nous avons regardé pour nous comment nous sommes capables de ranger un département. Et particulièrement 5 km² dans le département, prend meilleure décision gagnée dans 5 km² ça, et river, s'il réussit, bail État haïtien un modèle que le capable appliquer dans une série de l'autre zone. Donc, si je dois pour me résumer, c'est un projet que différents citoyens décidaient de mettre temps, de mettre ressources, mettez contact ensemble pour qu'ils soient capables de développer une zone qui sont une zone vraiment désœuvrée. Mais faire arriver une zone de prospérité, côté que les gens sont capables d'élever petit dans la dignité. Un point important dans ce dernier dire, c'est que nous avons une région, mais l'idée, c'est de faire un projet qui est capable de répliquer un paquet de côté dans le pays. Ça, c'est son premier point. Ressources, et une idée, c'est que vous n'êtes capable d'utiliser les ressources département lui-même. Et on parle de ça, son département qui est en soi, qui est riche. Marie, femme simple, mais qui c'est modèle de l'humanité sauvée. Marie ou même qui est pleine de lumière et qui baille terre, le sauveur du monde. Nous allons prier, nous remettre projet ça, la main en façon spéciale. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et c'est pour bon Dieu, béni ni nous-mêmes, ni projet nous, ni même qui papa, petit là, avec l'Esprit Saint. Amen. Amen.